Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo. Bienvenue sur CJ Game, oui, tout simplement. Bienvenue sur CJ Game dans un premier temps. Bienvenue sur Google Chrome. Oui, j'avais envie de faire la pub à Google Chrome. Après tout, on est bien sur Google Plus. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur un site de petits jeux que j'avais envie de faire parce que j'y jouais souvent quand j'étais petit et j'ai envie de retomber en enfance, tout simplement. Alors ce sera pas long, hein, je veux dire le site, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, enfin que j'y ai pas mis les pieds pour être franc. Oh la vache, ça fait un très long moment. Déjà, ce que je remarque, c'est que, mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont réduit le nombre de jeux. Je sais pas, ils doivent avoir au moins avoir une... Il y en a combien, là? Il y en a 3, 5, 10, ils doivent avoir au moins une vingtaine, quoi, même plus, et même des petits jeux en bas, quoi. Et... jeux d'aventure, tout ça... Là, il y en a beaucoup moins. Déjà, je suis triste. Rendez-moi mes jeux. Bref, c'est brave. Et donc le principe est simple, on va prendre un jeu. On va prendre celui-là parce que ça fait beaucoup penser à Peggle. Peggle. Je vous ferai une vidéo de Peggle un jour. Alors, le principe de... Oh mais bordel, Google Chrome arrête. Laisse le jeu charger. Mais bordel, j'en ai marre. Google Chrome laisse le jeu charger. Merci. Ah, mais 20, hein? Maintenant que c'est Chrome qui va me résister. Bref. Donc là, on est les règles du jeu. Cliquez-vous. Oui, bon, il y aura l'explication plus tard. Bref, démarrer la partie. Je vais baisser le son chez moi. Sinon je vais pas m'entendre, ce qui est pas terrible. Alors objectif principal, on va avoir des objectifs. Faites disparaître les bumpers rouges, oui bah s'ils veulent. Donc voilà, le principe des armes, c'est quand même un Peggle, hein, pour ce mini-jeu. C'est un mini-jeu, je précise que c'est un mini-jeu, c'est pas un jeu à part entière. Même si techniquement tous les jeux que je vais vous présenter c'est des mini-jeux à part entière, hein. Donc voilà, là le principe est simple, c'est comme dans Peggle, on doit éliminer les trucs rouges, les billes rouges, sachant que il y a aussi des billes vertes pour nous aider. Bonus gravité. Bon là c'est pas très utile, mais bon voilà. Donc là c'est bonus complètement au hasard, hein. Bonus contrôle. Ah voilà, donc là je peux contrôler, donc c'est quand même moins cheaté, hein. Et on a un nombre de balles, bon pour l'instant si je veux dire, c'est le nombre de balles est très grand. Hop, on va éliminer ça. Sachant qu'on doit récupérer, on peut aussi récupérer des bubs. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc voilà, là j'ai tout fini. Donc je fais tout exploser, hein, c'est normal. Hein. Félicitations. On a des étoiles maintenant. Oh, c'est nouveau ça, je connaissais pas. Vous avez remporté 11 buds. Record battu. Vous avez venu. Aïe, votre record. Bah maintenant j'ai commencé. Donc voilà, le principe est simple. Ça va commencer. Mais attends. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Mais où est le mode histoire? Ah non, mais là je suis dégoûté les gens. Là ça y est, je suis dégoûté. Non. Ah. Alors ça. Ça, ce que vous entendez là, c'est juste le bruitage de mon enfance qui est magique. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En fait, le principe, normalement c'est simple. Le principe, c'est que il va y avoir, ça va fonctionner sur différents niveaux, comme vous pouvez voir là. Mais pour avoir le jeu, ils avaient créé un système d'histoire, donc un système de prologue, pour annoncer, pour dire pourquoi
parce que normalement c'est sous système de personnages, les personnages qui sont là vont être confrontés à quelque chose, ils vont se confronter à quelque chose de terrible et imaginable qui font que bah on va faire un jeu, on va faire ce mini-jeu en particulier. Et ensuite, quand on... normalement c'était 10 niveaux, mais là ils ont changé pour aller jusqu'à 20, même ils sont fous. Au bout de 10 niveaux, on avait l'épilogue, et donc c'était bah, tout simplement la fin de l'histoire pour dire comment ils s'en sortent. Comment ils s'en sortent. Bah là je suis dégoûté parce que bah y a pas de mille histoires. Et donc on a un nombre limité de parties, comme vous pouvez voir ici. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Indique le nombre de parties qu'on peut faire. Par exemple, là. Bah écoutez, ça ne marche pas. On a un nombre de niveaux limité, je suppose. Illimité. Et ça a beaucoup changé depuis la dernière fois que je suis venu. Et... alors, bonus contrôle. Hop. Donc là, le but est toujours. Et ça a vraiment changé depuis que je suis venu. Ah non, 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 oh, rien. Alors, bonus. Bonus sol. Alors, ça, c'est cool. Comme ça, la balle rebondit. Enfin, bon, si elle pouvait rebondir au bon endroit, ce serait bien. Extra ball. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, c'était nul. Hop, ça, c'était bien. Hop. Ah oui, Extra Ball, c'est peut-être pour avoir une balle spéciale, enfin une balle supplémentaire, je suppose. Alors, par contre, il y a des traits blancs, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé. Plus que 3 billes, bah alors, écoute, on va faire ça. L'Extra Bucket. Pardon, c'était gratuit ça. Hop, ça c'est fait. Donc, niveau 2, remporté avec succès, ou pas. Les pièces. Je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ah oui, il y a des coupes. Il y a le mode tutoriel aussi pour expliquer comment ça fonctionne. De toute façon, vous l'avez déjà bien vu. Bref. Ah, ça c'est beau. Extra Ball. J'ai pas regardé s'il y avait une bille supplémentaire en fait. Hop. Du sol, très bien. Et ça, ce genre de mini-jeu, j'y passais quoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, les niveaux, ça se passait assez rapidement. Quand tu te ratais et quand tu gagnais, les niveaux se passaient assez rapidement, à part dans les derniers niveaux où c'était plus long, où tu galérais un peu plus. Mais sinon, les niveaux, tu les finissais rapidement. Ce qui fait que tes encrous, on va appeler ça comme ça, enfin ton nombre limite de parties diminuait très rapidement. Bon, avec ma soeur, on avait la technique du... enfin, on avait plein de... on avait comment, 2-3 adresses mail, et on avait une technique, c'était faire plusieurs comptes pour pouvoir faire plusieurs fois les jeux. On s'éclatait, franchement, on s'éclatait à faire ce genre de jeu. Et ben c'est cool, j'ai 3 étoiles. On s'éclatait à faire ce genre de jeu parce que ça nous occupait, je trouve ça très fun. En plus avec l'histoire qu'il y avait à côté, c'était très fun. En plus je reconnais les musiques, cette musique là je la connais. Bien sûr que oui je la connais, c'est évidemment que je la connais. Je saurais dire dans quel jeu elle était. D'ailleurs je crois que c'était dans celui-là, mais bon c'est pas grave. Bref. Mais bon là je retombe en enfance, c'est cool. Et bah écoutez, 2 bonus. Ah oui mais bon il est un peu nul. C'est un peu nul les 2 bonus ensemble vu que bah. On a un bonus seul et le bonus extra large de la vie. Ouais bon ok hein. J'ai regardé les vidéos de Bob sur Peggle, alors vous pouvez comprendre mes propos. Que je ne dis pas bien sûr. Bon, faisons de côté cette mine. Bon, écoutez, je vais quand même vous montrer un autre mini-jeu. Ça va de soi, quand même. Alors,
enchaînant jeu. Ah bah je me disais qu'il manquait des jeux. Voilà, là il y a des jeux. Il y a d'autres jeux. Alors, on va prendre par exemple un que j'aime beaucoup, le Tudo Cuisto. Ah bah non, ça a compté mes parties. Effectivement, ça a compté mes parties, mais ça les a comptés en retard. Bref, on va arrêter ça, sinon il va me charger un autre truc de Google Chrome que je ne veux absolument pas. Bref, Tudo Cuisto. Alors là, le principe est simple, c'est comme un Candy Crush. Oui, je crois que c'est comme ça. On doit aligner des trucs et on doit faire un nombre demandé de paires. C'est simple. C'est simple, hein. Franchement, c'est pas, faut pas chercher compliqué dans ce genre de mini-jeu. C'est très simple. Mais franchement, on s'amusait comme des fous avec ma soeur. Bon, j'ai fait aucune étoile. Ça, c'est fait. Et toujours pas de mode histoire. Mais je suis déçu. Et franchement, je vous dis, je suis très déçu là parce que je m'y attendais. Je m'attendais à avoir un mode histoire. Ah, je suis vraiment déçu là. Bon, on va faire un deuxième niveau. Après, on va changer de jeu. Ces personnages. En fait, l'histoire de ce jeu. Parce que je me souviens quand même de quelques histoires du jeu. C'est que le lapin a vu à la télé qu'il y avait un concours de cuisine du meilleur cuistot et le gagnant pas de l'argent mais une tonne de carottes, un truc comme ça, un truc dans le genre, un truc basique. Encore une fois, c'est un truc complètement basique mais qui fonctionne. Donc voilà, vous avez vu le Tudo Cuisto. On va aller... Où est-ce qu'on va aller? Alors, un exemple de jeu complètement basique, et que franchement, est très... Mais alors, très très basique, et très court. Hop, on va laisser, voilà. Un exemple basique et court, c'est complètement... Mais c'est, je crois pour moi, c'est le jeu le plus court. C'est tout simplement... Voilà, c'est simple. C'est simple. C'est complètement simple. Voilà, faut juste prendre deux paires. Et faut qu'il n'y ait plus de cailloux blancs. Alors si je me souviens bien de l'histoire de ce jeu, c'est simplement qu'il y a des cailloux qui apparaissent comme ça et le lapin doit tout simplement enlever les cailloux. Encore une fois, une histoire très très basique. Et j'ai pas eu 3 étoiles, je suis dégoûté. Toujours pas de mes histoires. Un jeton joué, un zep de gagné. Je sais pas du tout ce que c'est que les zips. Enfin, c'est les zips, je suppose. Bon, vous avez vu ce que c'était. Je vais quand même vous montrer d'autres jeux. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Balade en forêt, non. Un jeu auquel ma soeur et moi avons galéré pendant des ans à le faire et à le finir surtout. Je crois que ça a été l'un des jeux les plus compliqués pour nous. Enfin, dans les derniers niveaux, hein, qu'on soit d'accord. 8 trains au départ. Le principe de ce jeu est simple. 4 trains à aiguiller correctement. Attention, un train au départ. Le principe est simple. Aiguiller les trains, cliquez sur la locomotive, puis relâchez le bouton, glisser vers votre souris vers la voie, puis relâchez le bouton de la souris, glisser, cliquer, relâcher. Donc le principe est simple, si vous allez voir des trains, il faut les envoyer dans les bonnes rames. Il faut que ils arrivent du point de départ au point d'arrivée. Encore une fois, chose très simple et basique. Sauf le truc, c'est que vous voyez, ces trains ont des numéros et il faut qu'ils atteignent justement le numéro indiqué sur leur train. Et bah parfois c'est très chiant, surtout dans les derniers niveaux, parce qu'il y a des trains qui apparaissent de partout et qui bah, au final se cognent. Donc là, je peux arrêter les trains si j'en ai envie. Là par exemple, je peux faire ça, faire ceci. C'est simple, encore une fois c'est très simple. C'est, ce jeu, genre de mini-jeu, c'est très simple. Mais c'est des mini-jeux qu'on adore.
parce qu'on s'éclate. Franchement, je vous dis, moi, dans ce genre de jeu, on s'éclate. C'est complètement basique, mais on s'éclate parce que... Bah, c'est fun. C'est parce que c'est simple et basique qu'on s'amusait, que ça nous faisait rêver à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, faut pas déconner non plus. Bref. On va prendre... Bon, on va prendre Baladin en forêt, on va voir ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, pour être franc. C'est un nouveau mini-jeu, je suppose. Vu que... Cliquez sur le bouton jeu pour commencer une partie. Ah non, c'est un jeu à gratter. Ah oui, donc ça, en fait, c'est très simple. Vous grattez. Et vous gagnez un nombre de... Un nombre de pièces... Un nombre de pièces, voilà. Qui est marqué dessus. Bon, ça gâche un truc, c'est pas vraiment très très terrible. Mais bon, voilà. Alors, on va faire un dernier jeu. De toute façon, c'est la dernière. Un jeu que j'aime bien. Un jeu de mémo, on l'a fait tout à l'heure. Alors... En même temps, il y en a plein de jeux que j'aime bien dans... Bah, dans ces mini-jeux, justement. J'ai pas envie de faire un jeu très long, mais j'ai pas envie de faire un jeu très court non plus. Alors, on va faire un mini-jeu... Je vais vous montrer le mini-jeu des ballons. Qui est pour. Enfin, qui a été aussi pour moi l'un des plus durs. Pour moi, il a été très. Assez compliqué à finir à 100%. Et encore, là, ça, il doit y avoir des niveaux encore plus compliqués. Vu que là. Ok, bon, bah déjà, on va. Le principe est simple, c'est d'éclater des ballons. Voilà. C'est d'éclater des ballons. On peut pas faire plus simple. Et on appuie comme des bourrins. Et on a des bonus. Qui permettent bah, d'éclater encore plus de ballons. Donc par exemple là, c'est pour éclater un ballon. Là pour changer la couleur de ballon. Là pour carrément détruire une ligne. Voilà. Comme moi cheaté. Et détruire une zone de ballon. Par exemple, on va prendre... Boum. Et le but est simple, c'est d'éclater tous les ballons. Vous l'aurez compris. Alors... Alors là, je crois que l'histoire est encore basique, hein, c'est tout simplement les animaux. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a un poisson, une grenouille, un démon et un lapin. Encore une fois, il me semble que l'histoire est basique et simple. C'est simplement les animaux qui vont à une fête foraine. Voilà. Après, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce genre de jeu. Alors, on va éliminer cette ligne-là. Hop. Là, on va éclater en zone. Et voilà. Là, c'est tout simple. Et de toute façon, je crois que je peux plus jouer. Voilà. Découvrir nos zones. Alors, est-ce que j'aurais pas, par exemple, un moyen de m'en offrir? Visiblement, non. Parce que, simplement, j'ai pas un pack de bienvenue, un pack de... J'ai pas un pack de bienvenue. Eh ben, je suis triste. Et j'ai pas envie de payer pour être franc. Bah écoutez, ce fut un truc. Bah, un truc simple. Mais qui était fun. Bon, on est à 20 minutes de vidéo. Bah franchement, c'est pas mal. Là, je trouve qu'on a fait une très bonne session. J'aurais pu vous montrer ceci, qui est un jeu pas mal. Je pense pas qu'on puisse y jouer. Mais bon, on sait jamais hein, si on peut faire que les premiers niveaux. Je crois pas, mais bon... Ouais, non, c'est bien ce que je pensais. On ne peut on ne peut pas. Bref, en tout cas, moi, je vous invite à faire ce genre de... À aller sur ce site pour faire ces mini-jeux.
En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Je vous dis franchement, je m'amuse moi, dans ce genre de mini-jeu. Je referai sans doute d'autres vidéos. Faire en sorte de terminer un mini-jeu en particulier, comme le tout doux cuisto, que j'aime bien. Le cosmique aussi. Bref, plein d'autres. Avec le jeu des trains aussi, pour montrer à quel point il peut être dur à certains moments. Bref, c'est pour vous dire que... Eh ben, il y a de quoi faire, n'empêche. Je regardais, mais il y a de quoi faire dans ce truc. Dans ce site, en tout cas. Et ben, il y a même des trucs que je ne connais pas. Par exemple, Geek. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ça. Je sais pas si on va pouvoir l'utiliser. S'il faut un jeton, bah on utilisera un jeton, hein. Enfin non, on n'a pas de jeton. On n'utilisera pas de jeton. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 60 secondes pour faire grimper votre score. Donnez un max de bonnes réponses à la suite pour devenir champion du quiz. Oh! Et bah c'est parti. Ah ah! Ce troll! Bref. Alors, pour vous donner, enfin, pour vous dire, vous allez me dire, bah, attends, maintenant que t'as tout épuisé, ça y est, t'as fini, tu peux plus rien à faire, t'es obligé de payer? Non, 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 vous n'êtes pas obligé de payer. Vous regagnez 10 parties le lendemain. Bon, c'est triste, mais le lendemain, vous regagnez automatiquement 10 parties. Et ça, c'est bien, je trouve ça génial. Ce qui fait que, bah, vous devinez que, bah, ma sœur et moi, on squattait souvent le PC. Et comme je vous l'ai dit, on se créait beaucoup de comptes, vu qu'on avait pas mal de mails inutiles qu'on a supprimés à la suite. À part la mienne, évidemment, ma principale. Et donc, vous devinez qu'on a passé des heures et des heures devant cet écran. Qui a changé, hein, franchement, il a changé, il a beaucoup changé. D'ailleurs, il y a un mini-jeu qui est parti et je suis triste parce que j'aurais voulu le revoir et j'ai complètement oublié son nom. En fait, pour vous expliquer, c'était tout simplement le lapin et le démon qui filaient une horde de légumes zombies. Ah oui, mais ils avaient de l'imagination, hein. Ils ont de l'imagination. Et le but était simple, ils fuyaient en vélo, oui, en vélo carrément. Le lapin conduisait et avec le démon en 2D, il fallait viser avec un pistolet ventouse. Oui, voilà, un pistolet ventouse. Il fallait tout simplement viser les zombies, les légumes zombies qui vous poursuivaient. Encore une fois, c'était simple, mais j'adorais ce jeu, et j'étais triste, moi, qu'il soit annulé. Mais bon, enfin, qu'il soit annulé, qu'il ait disparu. Mais bon, c'est pas grave, hein. c'est comme plein de jeux, il y avait des jeux de plateforme aussi, il y avait plein de jeux de plateforme. Il y en avait un avec le pingouin de glace, le roi pingouin de glace. Avec le petit démon aussi, il y avait plein des jeux comme ça. Et bah, je suis triste que pas mal soit parti. Et au final, on a beaucoup de jeux comme ça. Pas mal de jeux comme ça. Comme le Toulou Cuisto, le Cap vers le Trésor, et Tir au Ballon. On a pas mal de jeux comme ça, mais c'est triste. Parce que maintenant, c'est ce qui se constitue un peu l'ensemble des jeux. Et personnellement, ça me manque un petit peu. Ça me manque un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on a toujours des jeux. Enfin, on a toujours ces jeux. Il y a toujours de quoi s'amuser dedans. Bon, après, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mec, j'ai un petit peu 16, 17, 18, 18 ans. Je me vois jouer à ce genre de jeu. Après, c'est parce que j'ai l'âme d'un enfant. C'est clair que je comprends qu'un ado de 16, 18, enfin 16 jusqu'à 18, ou même beaucoup moins, genre un ado de 12, 13 ans, jouer à ce genre de jeu, ça peut les faire chier. Mais moi, je vous dis, je m'éclate devant ces jeux. Je m'éclate. C'est ça.
Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura incité à au moins aller voir ce que c'est. Je referai des vidéos sur ce jeu, sur ces jeux. Je referai des vidéos sur ce site. En attendant, je vous invite. Je vous invite à faire ce que vous voulez, tout simplement. À vous abonner si vous en avez envie. À laisser un commentaire, ça peut toujours faire plaisir. N'hésitez pas à commenter pour dire si cette vidéo vous a plu, si ce genre de vidéo vous plaît, simplement. Et si vous avez été sur ce site, et si vous avez connu ce site, si comme moi, étant enfant, vous avez connu ce site, et si vous y allez encore, si vous aimez, bref, voilà. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir aussi, mais je ne vous y oblige pas, encore une fois, on prend pour un fou à dire ça, mais j'insiste. Encore une fois aussi, j'insiste là-dessus, allez voir les vidéos de Cuba, je vous incite à aller voir les vidéos de Cuba, qui sont aussi, qui sont très très géniales, qui sont très très géniales, n'est-ce pas? Oui, oui, vous voyez ce que je veux dire. Oui, allez voir les vidéos de Cuba. D'ailleurs, oui, les vidéos multi arriveront bientôt, ne vous inquiétez pas. Il y en a fait une avec un de nos amis, n'est-ce pas, Vincent? Mais les vidéos arriveront bientôt. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, ciao! Et que la force... que la force des ballons, vu qu'on y était, que la force des ballons soit avec vous. L'hélium est votre seul ami. Bref, c'est n'importe quoi. Ciao!